بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وبعد ايها الملا الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته nous allons parler aujourd'hui d'une tendance qui a de tout temps miné les sociétés dévoyé les les perceptions en quelque sorte et conduit des gens à des comportements qui étaient bien les leurs, mais, mais dont ils n'étaient pas en fait les auteurs. Parce que ces gens-là ont agi par ce que l'on appelle conformisme. Du mot conforme, conforme à quelque chose, conforme à une doctrine, conforme à un courant de mode. Chez les, chez les philosophes, le conformisme désigne le, proces, le processus d'influence sociale par lequel une personne est amenée à aligner ses... Euh, propre perception, croyance conduite sur celle d'un ensemble de personnes, d'autres personnes. Commander par exemple la même boisson que ses amis lors d'une sortie, pardon, lors, lors d'une sortie, adopter les codes vestimentaires en usage dans son entourage professionnel ou encore adhérer au préjugé en vigueur dans, dans son nouveau club sportif à propos des, des membres d'un club concurrent, constitue des manifestations ordinaires de cette forme d'influence. Elle est un facteur puissant de cohésion groupale et le vecteur privilégié de la reproduction des usages sociaux. Être conforme à quelque chose ou faire preuve de conformisme, c'est s'aligner, adhérer à une pensée. Même à un préjugé. Et là, les exemples fusent. Euh, vous avez deux voisins qui sont parfaitement voisins, mais le jour où il y a un match de foot entre leurs deux clubs qui sont concurrents, en tout cas, ne serait-ce que pendant la période même du match, ces deux personnes deviennent des ennemis. Et par moments, cette, cette, cette anim animosité que l'on va ressentir à travers les slogans qui sont scandée par les, les supporters, on va la retrouver même à l'extérieur du stade. Mais ceci ne concerne peut-être qu'une que, qu partie de la société. Ce qui nous tue, ou ce qui pourrait tuer la société en termes de conformisme, c'est adopter les idées des autres sans réfléchir, adopter une doctrine, adopter un courant de pensée qui peut vous mener vers un mur. Mais du fait que, que ce soit le, le dominant qui l'ait imposé, ça peut passer facilement. Le Coran, euh, à travers déjà les récits des prophètes, s'est toujours opposé à cette idée euh, de se conformer à l'usage sans même réfléchir. Et, et le Coran, a longtemps, euh, autant à travers les prophètes qu'à travers des versets. Euh, qui sont dans une dissertation globale, a toujours blâmé ce genre de comportement. Nous avons par exemple concernant le prophète Hud alayhi salam, dans le al-A'raf, au verset 70, il dit, es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient, fais donc venir ce dont tu nous menaces, parce qu'il leur a dit, Si soit vous vous conformez à l'ordre de Dieu, soit vous allez périr sous l'effet d'un châtiment. Fais donc venir ce dont tu nous menaces, si tu es donc des véridiques. Il dit Voilà, vous voilà frappé de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. L'idée globale est que ces gens-là ont choisi un système de pensée, un système confessionnel carrément. Il était, on va dire, beaucoup plus basé sur l'intérêt et sur la passion que sur, euh, que sur une réflexion. Parce que si nous sommes, nous, musulmans, nous sommes censés, chaque jour que Dieu fait, adhérer en continu aux principe de l'islam. En, en, en ayant vraiment pesé le pour et le contre, en ayant fait un travail de cogitation et de réflexion sur tout ce à quoi nous adhérons. Si, 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 si je, je prononce cette profession de foi qui est la illallah, Muhammad Rasulullah, je dois m'y conformer en termes de pensée, en termes de comportement. Et c'est pour cela que nous ne, dirons, nous ne le dirons jamais assez, que on peut, on peut dire. Je suis fier d'être musulman, parce que c'est quelque chose que nous choisissons chaque jour que Dieu fait, euh, fait pardon. mais nous ne pouvons pas dire je suis fier d'être algérien, parce que nous ne l'avons pas choisi. On peut être heureux d'être algérien, content d'être algérien, on peut s'enorgueillir en, même par moments, à condition de faire des choses qui, qui font la gloire de l'Algérien et de l'Algérie, mais nous ne pouvons pas dire de manière absolue. Je suis fier d'être algérien. Ça n'a pas de sens, honnêtement. Et donc, Dieu blâme justement ces gens qui, qui ont fait des choix, ces choix qui n'ont jamais été réfléchis, et qu'ils défendent sans avoir ne serait-ce qu'un semblant de motivation en la matière. Et le, donc le verset revient, ils, ils vont le dire de manière ouverte, tu viens nous, nous, nous appeler à l'adoration d'un Dieu seul et, et laisser ce que faisaient nos ancêtres, alors que normalement une personne qui réfléchit devrait dire, bon, tu viens nous appeler à l'adoration d'un Dieu unique, euh, où est le mal dans le fait, par exemple, d'avoir plusieurs dieux Quel est le problème avec notre ancien système confessionnel, par exemple et lui dira ensuite il y a il a et même le coran répète ça à plusieurs reprises ce ne sont que des noms des appellations des concepts des des, des courants auxquels vous avez donné des noms et, et dont Dieu n'a fait descendre aucune preuve c'est-à-dire vous ce sont vous êtes dans des logiques que vous ne pouvez même pas argumenter c'est ça votre problème et là quand nous parlons de conformisme, ceci nous renvoie à tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Euh, le, monde est, le monde contemporain ou l'histoire contemporaine est passée par un certain nombre de courants, surtout le, ce que nous appelons la mode. Ce qui fait aujourd'hui la tendance pourrait ne pas le faire euh, dans deux ans, trois ans. Et c'est tout à fait normal. Sauf que cette, cette, ce conformisme, cette manière de réfléchir, a tendance à, à, à s'étendre à tous les domaines de la vie. Par exemple, à l'heure actuelle, euh, même quand vous voulez vendre un bien, une maison par exemple, les visiteurs viennent, ils font une visite et ils vous disent, vous savez, euh, ah, ben, nous on aimerait bien euh, par exemple un euh, open space, euh, une sorte de loft, c'est plus tendance. Il n'y a pas cette, cet esprit qui, qui, qui va beaucoup plus dans la fonctionnalité de l'habitat. Je suis dans une maison, elle est, elle est, elle est bien, bien isolée euh, sur le plan phonique et sur le plan thermique, euh, elle, est, elle, est, elle est bien disposée en termes de pièces, d'espace, etc. Et elle est surtout fonctionnelle et, et, et bien aérée et bien lumineuse. Non, les gens ne réfléchissent plus de cette manière. Les gens entrent. La peinture euh, n'est pas la couleur souhaitée ou qui fait tendance. Euh, telle chose n'est pas tendance et c'est toujours la tendance qui va dominer le choix que vont faire les gens. Et ça, ça devient un problème. Le conformisme. À un moment donné, je me souviens que dans les pays musulmans, on a beaucoup plus euh, la, la, la tendance voulait que N'a véritablement réussi sa vie que celui qui a des diplômes de, de, émanant de, de, des, des grands instituts ou de l'université. Et ce, cela, ce choix a été fait au détriment des arts et des métiers. Si bien qu'à qu l'heure actuelle, comme l'a si bien dit une fois un Suédois qui a visité pratiquement tous les pays arabes, il a dit partout où vous allez, il y a écrit docteur, spécialiste en ceci, ingénieur, expert, je ne sais quoi. Mais dans les pays arabes, si vous cherchez un plombier, si vous cherchez un, ma un maçon qualifié, et dans la maçonnerie il y a des spécialités, il y en a ceux qui travaillent la pierre, d'autres qui travaillent au mortier, etc., vous ne trouvez plus personne. Il n'y a pas d'ébéniste, il n'y a pas de, 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 de menuisier, de charpentier, ça n'existe plus. Il n'y a pas de cordonnier, même si vous trouvez un cordonnier, il peut réparer au plus une chaussure, il ne fait pas la chaussure, alors que le vrai cordonnier, c'est quelqu'un qui fabrique la chaussure. Donc les arts et métiers ont été perdus à cause justement du conformisme. Et c'est pour cela que le prophète, nous avons un hadith, qui est considéré comme faible, qui a été rapporté par nasser et Tirmidhi, D'après Hudayfat ibn Yaman, euh, ne soyez pas des in ahsan, ahsanan ahsanan, ahsanan Quand les gens agissent bien, nous agissons bien, et quand les gens euh, n'agissent pas bien, nous n'agissons pas bien. Prenez, prenez le temps de réfléchir. Je, je, comme je, je viens de le dire, ce hadith est considéré comme faible. Hadith un daif, sauf que nous sommes dans les bonnes œuvres. Fada euh, nous pouvons l'utiliser d'autant plus que, comme l'ont certifié plus d'un grand commentateur de, de, de la tradition prophétique et les spécialistes du Hadith, il y a, euh, nous avons les mêmes propos que nous allons retrouver chez Abdullah ibn Musaoud. La takuno immaatan ne soyez pas des conformistes. Et c'est justement ce conformisme qui nous a tués. À un moment donné, même dans l'islam, dans la tendance religieuse ou dans la mouvance religieuse, nous nous sommes retrouvés plongés au plein pied dans ce conformisme qui, qui fait office de carcan et qui ne permet à personne de s'émanciper, tant sur le plan intellectuel que, que, que moral même. Les premiers n'étaient pas comme ça. À l'heure actuelle, par exemple, dans pas mal d'endroits, vous avez des, des, des gens qui forment dans le domaine religieux, mais qui forment, qui veulent former des, compi, des copies conformes d'eux-mêmes. Et ça, c'est très, très mauvais. Alors, gare au conformisme. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis estaudioukoumoullaha alladhi wa alaykum wa wa